J'ai pas revu mes films. J'ai une idée vague de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pour moi, c'est trop tôt pour faire vraiment, pour faire un bilan. J'ai d'autres choses à faire. Par exemple, j'aimerais bien faire un petit documentaire. Mais ça, c'est pas difficile, évidemment. Quand je suis arrivé de Paris, vous savez, j'ai eu ce fameux prix. C'est un prix très lourd. Et c'est aussi une source d'embarras. Et quand je suis rentré dans ce pays, et par hasard, est le mien, j'ai eu de la malchance. Je pourrais être né en Chine. Je suis né ici. Je me méfie toujours, mais on m'a proposé pas mal de choses et j'ai dit que je vais faire un petit documentaire. Alors j'ai parlé avec la télévision, que c'est l'entité. Je pensais que c'était l'entité qui pouvait s'intéresser à ce genre de choses. Et on m'a dit oui, on va voir la semaine prochaine, tu vas rencontrer monsieur l'administrateur de la télé. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Je crois que lá, c'est une petite bataille très sourde. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que l'effet Léon, l'effet prestigieux, passe. Ça veut dire un lion d'argent dans un festival comme Venise, dans l'année prochaine, ça, ce n'est rien. C'est l'oubli. Mais, inclusivamente, o que é que o filme iria ganhar o prémio europeu de cinema? O que é que pensou depois da cerimónia de entrega e do facto do José Paternatore ter ganho o prémio? Saite Angelopoulos, trouve que c'est bien. Je ne savais pas qu'il était en compétition, mais ça arrive, parfois on perd. C'est pas dramatique. Pour vos débuts au cinéma, est-ce que vous entreteniez des rapports avec la nouvelle vague française ou... est-ce qu'il y a quelque influence, de toute façon créatrice chez vous, de la nouvelle vague, par exemple, de Godard, dont il y a une citation dans votre deuxième film, je crois? Oui, d'une certaine d'une façon très lointaine, oui. Parce que je crois que, en effet, enfin, surtout là, c'était un film très influencé par... Par Godard et aussi par Eustache, par exemple. Je me souviens d'un court-métrage d'Eustache, ça a beaucoup de ressemblance avec le film. Je ne l'avais pas vu à l'époque, je l'ai vu après. Mais c'est le Père Noël à Désir Blanc, enfin, je crois que... Mais